Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous marchez bien, que vous arrivez à avancer comme vous voulez dans votre vie et que de temps en temps, vous arrivez aussi à faire une pause, une vraie pause, à vraiment vous arrêter. Et pas besoin de faire une pause de 2 heures, simplement prendre du temps de temps en temps dans votre journée, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure si vous pouvez, simplement pour vous arrêter et respirer. Rien que ça, je peux vous assurer que ça va vous redonner une énergie et je dirais une sensation de paix et de sérénité. Il y a un avant, il y a un après, vraiment. Je refais le geste juste simplement de respirer comme ça. Vous prenez une inspire, une expire en conscience, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5 minutes. Vous allez voir, ça va changer vraiment le cours de votre journée. Donc voilà, c'est ce que je fais. Oui, on peut même le faire finalement en marchant. Ça s'appelle aussi de la marche consciente. Si vous voulez, vous regarderez un petit peu sur Internet, sur YouTube, comment ça fonctionne. L'importance de faire des pauses, en fait, ça permet de se régénérer, ça permet de remettre ses idées en place, ça permet de se reposer et puis ça permet de repartir de plus belle, bien souvent, dans le quotidien. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas de pause? Ben, à un moment donné, on mouline de plus en plus. On est peut-être soumis au stress et quand on est soumis au stress en permanence, de manière répétée ou sur une longue distance sans aller couper cet état-là, ben à un moment donné, vous allez voir ce qui va vous arriver, ça va pas être joli, je peux vous dire. C'est le burn-out, c'est la dépression, c'est les médicaments, c'est un mauvais sommeil. Ben, du coup, après, c'est tout le corps qui prend. Hein. Donc, avant d'en arriver là, ou si vous en êtes là, ben, prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de vous arrêter et simplement de respirer. Rien que ça déjà, voilà, c'est très simple et pourtant, personne ne le fait. Si vous vous mettez un petit réveil chaque heure, rappelle-toi de respirer, rappelle-toi que tu as envie, je peux vous assurer que ça va changer le cours de votre journée et au fur et à mesure de votre existence, ok? Bon allez, je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez respiré pendant cette vidéo avec moi. Ça me fera plaisir de vous lire. Bye.